Gros goût pété entre ancien premier ministre Dr. Claude Joseph et actuel premier ministre bluffeur, bouche douce, pas utile, Gary Conny. Et nous prenons pour nous comprendre l'intervention. Même Jean hier, nous avons fait et une intervention que Dr. Claude Joseph fait, côté que l'a saccagé Gary Conny. En pile, moun pose cette question. Pour qui ça? C'est après environ 100 jours, Gary Conny vini devant micro la presse. En pile moun nan commentaire yo a dit que est-ce que gâteau en mal séparé? Est-ce que ça moun te prévoir t'ap joine, yo pas joine nan quantité. Mais est-ce que kounya tout? Est-ce que c'est kounya Claude Joseph a pas prendre nous que Gary Conny pas bon moun? Comme ça grand public là lui-même qui est extrêmement intelligent. Yo papa qui ton commentaire pour pas la voir. Ouais que des bagages là ou pas même besoin à analyser pour permettre peuple là et comme si m'dadjo comprendre nos bagages. Ouais besoin de faire des commentaires peuple les mêmes les assumer responsabilité et que les mêmes pour que les dit ou ça l'Abdoulah dans espace commentaire là. Et m'espérer que n'ego prend temps et prend ça pour regarder. Profitez pour me saluer chaque grand haïtien qui toujours prend plaisir dans quitter des commentaires dans espace commentaire là dans vidéo. Et c'est très important. En avance. Guy Philippe, ou gen raison. Guy Philippe, ou te analyse sa gen la. Ou te comprenne nature problème nan. Ou te propose des solutions. Et ou te dit public lan clairement. Monsieur sa yo, ou ki kache de téléphone nan, ki fait complot, ki prend pouvoir peuple lan avec violence lan. Sous complicité blanc, pas gen rien que y'a vin régler dans tête pays. Ou te dit Guy Philippe? Jodi, kabret lan kole. Définitivement, pas gen passe pas quatre chemins. Tout moun apre vrai mettre bœuf là, avec coalition d'assassins, gang sale méchant, qui volent bœuf là. Et pas gen route pas bois non? Et ça m'a gade là, messieurs, dames. Non, c'est plus que grave. Pas plus tard que hier, mais dit hier soir, je vais un extrait vidéo que un monde voit venir, je vais qu'il prend sous tripota la caille. Tripota la caille, je salue l'équipe là. Monsieur, dame, pendant que là où ici, il y a une seule délégation qui a rentré aux États-Unis d'Amérique qui prend les New York, Manhattan, qui pralé dans 79e Assemblée générale Nations Unies. Pendant que la Chine a une seule délégation qui a rentré aux États-Unis d'Amérique, qui pralé New York City, dans Manhattan, qui pralé dans Nations Unies pour 79e Assemblée générale Nations Unies. Pendant que la Turquie, c'est seul président Erdogan dans tête une délégation qui a rentré New York pour venir participer dans 79e Assemblée générale Nations Unies qui a fait dans New York. Pendant que la République dominicaine qui colle avec nous, il y a seul Luis Abinadel dans tête d'une délégation qui rentre ici aux États-Unis d'Amérique, qui est allé New York, qui rentre Manhattan, qui pral participer dans 79e Assemblée générale Nations Unies dans New York. Pendant que l'Angleterre, le Canada, tout l'autre grand pays yo, gen yon seul délégation qui a le représenté yo et qui pral prend la parole dans New York. Nous même en tant que Haïti, nous gagnons 3 délégations qui ont fait déplacement. Nous gagnons 2 déjà qui New York. Nous gagnons yon cap monté aux États-Unis d'Amérique jodi a.
Messieurs, dames, l'homme prend temps. Moi, prends ça pour m'entendre. Intervention. Leslie Voltaire. Qui pas même te gen droit. Ni te gen des documents légaux qui te voye pour que t'al prenne la parole. Nan non Nations Unies. Mais c'est monsieur qui utilisait de contact Lavalas, parce que c'est Lavalas même, équipe Lavalas là, équipe Jean-Baptiste Aristide gagne dans New York cap fait politique depuis longtemps, qui fait contact pour monsieur capable de rentrer en dans siège Nations Unies pour aller prendre la parole dans non Haïti. Messieurs, dames, moi saisi, m'honte et me dit, encore une fois, il y a une déclaration que ancien président Donald Trump te fait sur Haïti. Le ça, monsieur te président en fonction. Monsieur te dit, Haïti son trou salami. En vérité, mon Dieu, si Haïtien qui n'a pas au prince, si gang avec zam te gonti crasse, moun la kaya pa de mal que fasse société, en vérité, mon Dieu, moi prends mon Dieu dans celle-là comme témoin. Ni Gary Koni, ni Leslie Voltaire, ni toute délégation, ni reste qui était dans pouvoir dans le pays d'Haïti, peuple a tap fout tout bois calé et fait voler quitter espace là dans les médias. Et depuis commandant Guy Philippe, tendez et comprenez ça que fait là, niveau de respectant qui fait là, lui-même comme chef de révolution pour libération pays d'Haïti, en vérité, mon Dieu, commandant Guy Philippe a obligé de mettre petit piment dans la révolution pour que le peuple assume responsabilité dans toute intégralité pour que il soit capable de chavirer cette guerre là. Parce que nous, comme jeunes garçons, nous pas qu'à continuer. Quitter une équipe voyou, sans vision, sans vergogne, continuer à détruire une société comme ça. Non. Ça pas qu'à continuer. Et nous dit, quel que soit le prix à payer, faut que vous avez fait faire pour que ça yo stoppe comme des rides. Parce que ce n'est pas possible, messieurs, dames. Il n'est pas possible pour Kenya vienne en Haïti, président Kenya rentre sous piste aéroport international Maïgate. Yo bal document Lili. Edgar Leblanc prend la parole auparavant. Monsieur Djou gon bagay qui commence à améliorer sur le plan sécuritaire dans le pays d'Haïti. Mes amis, beaucoup jamais saisi comme ça devant peuple al dil et peuple beaucoup jamais al foutre nek sa wa kale. Après ça au longeon document bay nek Kenya l'appli. Gen yon dame kap interpréter pour lui. Monsieur dit comme ça que c'est Kenya qui récupérer espace airport là qui était occupé avec gang. Monsieur dit c'est police Kenya. Ça sont honte. Et m'a regardé des militaires haïtiens qui dans espace là. Moi comme si m'a dit pas rien qui dit pas rien qui fait. Pendant que c'était l'armée d'Haïti qui était débarrassé espace aéroport international Maïgatéan qui était occupé par des bandits. Comme si m'a dit en backup avec la police nationale d'Haïti. Et puis monsieur, pour moi c'est nèg Kenya qui dit qui débarrasse l'aéroport. Nous prenons un complot. Et moi, c'est Haïtien, typiquement, qui a détruit Haïti, normalement, dans le pays d'Haïti. Et c'est dans ce sens, son groupe de monde, son classe de monde, qui a fait politique dans le pays, mais qui décide de finir avec Haïti. Dans ce sens, moi, je ne vais pas faire des complices. Ou pas, je dois faire des complices qui vivent dans la diaspora. Pas être dans le silence. Ou même qui vivent en Haïti, ou pas participer dans cette guerre-là, ou pas faire des complices. On nous assume la responsabilité. On nous prend engagement pour nous dire que Abraham dit c'est assez. Abraham dit c'est assez pour que ça ou pas continuer. Nous avons une société qui a un peuple qui connaît l'histoire pour quitter ses qualités moun sale sa yo qui a osé finir avec nos conditions pareilles. Je vais regarder pour moi. Sinon, ça qui est le Leslie Voltaire, moi, monsieur, monté sous tribune Nations Unies pour monsieur, soi-disant, prendre la parole dans non Haïti. Et son route pour la nation haïtienne, et ça fait mal en pile. Li dérange m, et li frustre m en pile. Dans ce sens, m'a dit non que, ça yo, pour yo, pas jamais continuer. Dans l'histoire, nous comme peuple encore, eh ben, nous gagnons des bagailles que nous obligés faire. Dans l'émission là, m'bral dit, des bagailles moi-même qui trouvé qui extrêmement important, et que nous comme peuple, pour qu'une fait. Nous avons plusieurs interventions que nous pral tendez. Et nous pral tendez. On va le saisir d'abord. Leslie Voltaire qui prend la parole dans non Haïti comme quoi qu'elle c'est porte-parole Haïti. Alors m'a rappelé où Leslie Voltaire c'est représentant famille Lavalas
en dedans couleuvre cette traite là nous connaît qui était malade en dans ta pourri parce que pas oublier c'est des monde qui fait toute vie ou toute jeunesse yo nan prend plaisir et fait garçon comme si m'a dit jeune espace et arrière yo et malheureusement ça vient de gros conséquences le néglant vient commencer grand monde et ça vient fait que eh ben naturellement en dedans monsieur qu'elle est pourri eh ben c'est en Dominicani que monsieur qui était pété courir il rentrer pour le prendre soin parce que en dedans monsieur t'a pourri eh ben peuple haïtien nous prenons le temps de petit cadavre gâté ça qui se représentant et Lavalas en dedans couleuvre cette traite là eh ben mon cher qui saute à ville pays a encore une fois parce que Gary Conny monte New York qui ça qui t'a empêché et que c'est Gary Conny qui juste prend la parole nan non Haïti et puis c'est et puis moins scope dépenser et puis c'est fini qui ça qui la cause une bataille qui déclenché entre paquet nèg sa yo autant de tel a prend la parole c'est si a prend la parole c'est là de prend la parole comme si chaque monde voulait c'est yo un tel voulait c'est li un l'autre voulait c'est li l'autre voulait c'est li pour qui ça c'est tout bagaille ça eh ben on va le faciliter nous tendez parce que première intervention que nous tendez c'est crise ça moi même en vérité mon Dieu ça que me dit nous même en tant que haïtien nous obligé et faire tout ça que nous capable pour que nous gérer émotion nous parce que sinon ça m'a regardé là a fait nous faire suc la fait nous faire tension en vérité mon Dieu et la fait nous faire suc la fait nous faire tension bon mettez citoyen ça sur écran d'abord et puis par la suite pour nous rentrer pour nous faire entendre prise de parole monsieur sous siège Nations Unies dans New York en vérité mon Dieu moi me saisis en vérité mon Dieu me saisis me frise me dit oh en silence comme si ça monsieur fait moi me dit nous depuis le mois monsieur fait alors pressé il fait contact comme quoi comme ça monsieur dit pour monsieur qu'a prend yon ou libre dans avion William Ruto qui est rentré dans le pays d'Haïti OK on me rappeler nous avion William Ruto hein, côté lui là et avion William Ruto hein, qui est rentré dans le pays hein? OK mené dans avion ça voilà OK c'était avion que William Ruto président pays Kenya t'es rentré en Haïti après ça pour te voler pour la New York parce qu'elle vient dans pays il vient ramasser et des documents mentaux qu'il a balé pour que lui même il soit disant Macron acte de présence pour montrer que pays tellement de volonté pour dépouiller d'Haïti tel bagarre ba on qui menti mais après ça pour la liste documents ça au sous tribune Nations Unies comme pays qui aide Haïti sorti dans phénomène de sécurité tête chargée qu'il t'a et traversé messieurs dames sans transition nous pral rentrer aïe monsieur bak attendre non mais et avant moi ville mon papa avec tout respect toute estime game pour nous m'a profiter dit nous bonjour bonsoir tout le monde pendant que chaque grain nan nous n'a pas écrit pour moi comme d'habitude dans espace commentaire là liberté ou la mort pendant que chaque grain nan nous a écrit dans espace commentaire là pour moi liberté ou la mort moi même ça que m'a dit non bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de qui côté qui le, ou attendez nous et ou regardez nous hein. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi pour que m'ensemble avec nous sous plateforme pano hein, qui c'est plateforme maman pemba, plateforme paye poté hein, plateforme qui pas pêche hein, plateforme cap dil janier hein, plateforme qui croit dans la vérité hein, plateforme qui croit dans bataille pays hein, qui c'est plateforme ça que ou attendez nous, qu'ou regardez nous là, que ou regardez qui écrit sur écran, qui c'est plateforme YouTube Info Bertoa. Info Berto. On a attendu Leslie Voltaire pendant que n'a mettez photo sur écran et pour pas saisi. Monsieur mandé président pays Kenya yon ou libre avion pour la gueule New York. Et puis monsieur fait équipe communication Palais National écrit pour lui pour dire comme ça que Leslie Voltaire prend yon ou libre avion nan men président pays Kenya pour le rentrer New York pour aller non rencontre familiale pour la louer famille. Tenez bien oui, c'est dit ou dit monsieur pour la louer famille. Ça veut dire que Negari Koni
qui était premier chef délégation, pas au courant de sa mission pour le faire États-Unis, ni soi-disant président conseil et présidentiel là qui c'est Edgar Leblanc fils, pas de connaître sa mission pour le faire, ni palais national, pas de connaître qui ça que monsieur pour le faire. Ça veut dire que l'État pays d'Haïti dans tout compartiment, pas de connaître qui ça que monsieur pour le faire. Mais ça monsieur fait, Lavalas la fait monsieur a tenté faire un coup d'État à l'échelle internationale sous tribune des Nations Unies. Pour ça au fait, yo fait contact pour monsieur capable rencontrer avec secrétaire général et capable dire nous Nations Unies qui c'est monsieur Antonio Gutierrez. OK? Et puis par la suite contact fait pour que ces monsieur qu'elle prend la parole sous siège Nations Unies. Ça son influence famille Lavalas. Ça c'est influence Aristide qui fait blanc pâle, fait contact ça pour lui pas oublier. Si gon moun qui est de plus blanc riche sous Haïti. Dans l'argent corruption, c'est équipe Lavalas. Et bien, il fait contact ça pour monsieur elle prend la parole d'abord sous tribune des Nations Unies. Et bien, le ça, quand on va poser cette question, combien de monde cap prend la parole dans Haïti dans Nations Unies année ça. Dès où elle New York, même si m'pa gen et peut-être m'pa gen invitation pour me rentrer dans espace là, même si OK et supposé Manhattan, même si m'pa gen accès à permettre que me rentrer et me capable dire pour année ça année se passer. Je supposé font y aller parce que m'ta fait ti live parce que ça on t'a supposé prendre et comme si m'ta dou dans la rue dans Manhattan pour m'ta font y parler. M'poko jamais saisi comme ça. M'saisi, m'freeze. Et m'senti m'ta al Manhattan. Et bon Dieu, m'senti m'ta aller. M'ta fait ti live l'autre bois, et m'senti m'ta pi à l'aise pour m'parler. An nou font y tande. Citoyen ça qui prend un espace d'assaut pour la prendre la parole et monsieur dit que en ma qualité de président d'Haïti combien président d'Haïti gagne définitivement c'est Kounia Luis Abinadel pral prendre nous pour ça que nèg yo fait nous sans y devenir pour c'est Kounia me comprendre que petit Donald Trump là qui c'est Donald Trump junior quelque part nèg ça au fait monsieur répéter ça le dire et que yo renforcer monsieur dans déclaration là tout haïtien alors haïtien yo saute en pile. Et si nous pas un peuple qui imbécile, moi prend bon Dieu dans celle-là comme témoin, pas gain pièce possibilité pour que monsieur t'a va mettre pied dans pays encore. Et si gang cap kidnapper moun cap trouer moun yo, t'es envie font ti replier ou du moins bay pays son chance pour utiliser zam yo à contre criminel qui fait pays d'Haïti mal, en vérité bon Dieu, yo t'a fout tout gang ça yo dehors pour pas mettre zago dans pays encore. Entendez, chef de gang ça sur écran ou représentant la Valas gang nan qui nan coulève cette traite là. M'poko jamais saisi comme ça. Entendez monsieur qui prend la parole sans que pays a pas au courant que monsieur t'a pas prendre la parole. Entendez ça. Monsieur le président de l'Assemblée générale. Reprends. Excellence, monsieur le président de l'Assemblée générale. Excellence, monsieur le secrétaire général des Nations Unies. Mesdames, messieurs les chefs d'État et de gouvernement. Distingués invités, mesdames, messieurs, c'est avec un profond sentiment de responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui dans le cadre de ce sommet de l'avenir. Cet événement ne représente pas seulement une rencontre de dirigeants mondiaux, mais aussi un moment critique pour construire un futur commun fondé sur les principes de solidarité, d'équité et de justice. En ma qualité de président d'Haïti, un pays confronté à de nombreux défis... Entendez? En ma qualité de président d'Haïti. Tout d'abord, m'a dit nous ça c'est coup de plume Aristide. Ça c'est Aristide qui écrit ça, ben mis ça dans New York. Parce que Aristide lui-même il a capacité ça. Et Aristide connaît monsieur pour faire ça et c'est yo qui fait monsieur prend au libre là dans avion William Ruto pour monsieur capable rentrer dans New York qui te connaît pour faire ça. Ouais, on déblosaille qui fait là dans pays là, on nous reprendre. Monsieur parle en ma qualité de président d'Haïti. Monsieur parle dans sous tribune Nations Unies et me beaucoup jamais saisir comme ça. Et puis par la suite, on t'a dit c'est Edgar Leblanc qui a monté New York jodi an, qui a prend la parole le 26 septembre qui vient là, qui joue anniversaire là. Qu'est monsieur. Et de qui joue vie pas sérieux ça on va prendre la parole monsieur. 26 septembre, jour fête là oui. Jour anniversaire là oui. Forme là pour m'tendre. Ça fait mal, oui. Et juste ça sans avoir ça prendre la parole. 26 septembre. Entendez ça. On reprend ça. Excellence,
Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellences, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est avec un profond sentiment de responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui dans le cadre de ce sommet de l'avenir. Cet événement ne représente pas seulement une rencontre de dirigeants mondiaux, mais aussi un moment critique pour construire un futur commun fondé sur les principes de solidarité, d'équité et de justice. En ma qualité de président d'Haïti, un pays confronté à de nombreux défis complexes, je tiens à souligner l'importance du pacte pour l'avenir que nous envisageons d'adopter aujourd'hui à travers ce sommet. Ce pacte symbolise non seulement un engagement historique pour un multilatéralisme renouvelé, mais aussi une opportunité unique de renforcer les structures internationales afin de répondre aux différentes réalités économiques, sociales et environnementales auxquelles nous faisons face. Le monde est aujourd'hui confronté à des défis sans précédent qui nécessitent une coopération internationale plus forte et plus inclusive. Dans cette perspective, ce sommet offre une opportunité de revitaliser le multilatéralisme et de moderniser le système des Nations unies pour qu'elle soit plus inclusive et représentative des réalités actuelles. Les mécanismes de gouvernance mondiale doivent être adaptés aux nouvelles dynamiques économiques et politiques et garantir que chaque nation, grande ou petite, ait une voix dans la résolution des crises mondiales. Cet événement majeur est également une opportunité de repenser la gouvernance mondiale en abordant des sujets tels que le financement du développement durable, l'égalité des genres et la protection de la biodiversité. En particulier, la réforme de l'architecture financière internationale est cruciale pour soutenir la transition de certains pays, en particulier les pays les moins avancés, les PMA, vers un développement durable. Il est essentiel de garantir que les bénéfices de la croissance soient équitablement partagés à travers le monde. Une des pierres angulaires du pacte pour l'avenir est l'inclusion des jeunes et la protection des générations futures. Aujourd'hui, Faut-il camper. Et pas discours là qui est intéressant pour le monde d'entendre. D'ailleurs, ou pas habilité pour t'al présenter discours officiel dans nos Haïti. Pour bah que m'a dit haïtien. Nous comme ça nous voulons. Nous c'est grand monde. Ça qu'a fait là est-ce que nous tolérer? M'vle chaque grand monde qui a tendé dans l'espace commentaire là, nous exprimer ça pour moi. Est-ce que nous tolérer ça qu'a fait là? De respecter ça qu'a fait là, est-ce que nous accepter? Est-ce que nous ca tolérer? Pardon, moi m'pas ca tolérer. Moi me dis non. Qui ça doit faire? Pays a descend toujours, a descend. Est-ce qu'on figure pays a descend plus bas? Et par la suite, nous avons un citoyen, un diplomate haïtien, un diplomate américain, même si c'est de nationalité haïtienne, tout. Nous allons faire entendre tout à l'heure. Parce que monsieur fait une intervention qui est extrêmement importante, que m'envisage pour me faire entendre. Mais par la suite, et tout d'abord, en entendre et comprendre ce que fait là, parce que ce que fait là, il est grave en pile. Et je veux faire connaître qu'il est grave en pile. Il y a un monde que le pays d'Haïti pas tout courant qu'il prend la parole dans nos pays, dans les Nations Unies. Et mais la valeur, c'est lui-même qui est influent. Je veux nous connaître ça. Pas un parti politique en Haïti qui est plus influent que l'équipe Lavalas Aristide là, ici aux États-Unis d'Amérique. Jamais. Parce que yo prend tête pays d'Haïti dans la première élection, 1991. Yo fait complot sous nos pays avec Blanc en 1994 pour craser les armées d'Haïti. Yo craser toute institution l'État. Yo privatisé yo avec Blanc et Oligak corrompu dans le pays d'Haïti. Yo font quantité moun riche, yo crase banque centrale, yo vole réserve d'or dans banque centrale. Ça veut dire que yo favorise un paquet blanc qui pas même penser que yo te kamayen 100 000 dollars américains liquide, yo fait que ça vienne riche en millions. Et c'est Aristide qui facilite ça. Ça veut dire que Aristide son qui influent. Malgré cadavre politique qui existe toujours. Comme ça, Paris te 10 ans sou encore. C'est crase Aristide. Ou pas fou tirer 10 ans sou encore. Ou pas bien une chance sans avis. Ou pas fou tirer 10 ans. C'est clair. Ou pas foutir 10 ans sur encore. Je me garde sur. Ouais, je dis, nous 2024, ou pas foutir là pour 2030. Jamais. La nature a pris une solution avant, sans avis. On nous reprend discours sans salle qui représentait famille et la valeur salle dans la tête, et comment elle est dans le pays d'Haïti. Malheureusement. Comment on a qui Philippe? On nous font bagaille.
on fait bagaille quel que soit les prix à payer, on fait bagaille. On fait bagaille pour la alors pour l'histoire. On fait bagaille pour nation. Ou doit pas faire un gros mouvement pour te bourrer avec coup de zame dans Port-au-Prince, ou doit un mouvement pas propice, pas de problème, mais moi même personnellement mandé pour joindre 2 ou 3 millions haïtiens avec 3 millions manchettes dans main. Manchette, Céline qui a acheté 1200 pièces par et 1000 pièces pour manchette et puis 200 pièces pour un lim pour une filet. OK? 2 millions haïtiens, 2 millions manchettes, 3 millions haïtiens, 3 millions manchettes. Haïtien de gérer ça. On prend intervention sans aveya et puis par la suite, nous prenons intervention Claude Joseph qui frappe Gary Koni fort. Nous prenons intervention Gary Koni qui répond avec fracas des mondes qui dit qu'on s'accule t'a fait coup d'état. Nous prenons intervention yon diplomate qui va l'expliquer nous qui qualité gravité dans qui niveau nèg détruit Haïti et descend pays ya par rapport avec ça qui a fait la kafouya qui gen la bataille qui déclenché et soi-disant comme moun qui doit représenter Haïti dans Nations Unies. Nous prenons tant de plusieurs interventions et moi même personnellement m'va lagé bon nan oui. Yo relem beto. An nou tande sans aveya. Excellence monsieur le secrétaire général des Nations Unies. Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est avec un profond sentiment de responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui dans le cadre de ce sommet de l'avenir. Cet événement ne représente pas seulement une rencontre de dirigeants mondiaux, mais aussi un moment critique pour construire un futur commun fondé sur les principes de solidarité, d'équité et de justice. En ma qualité de président d'Haïti, un pays confronté à de nombreux défis complexes, je tiens à souligner l'importance du pacte pour l'avenir que nous envisageons d'adopter aujourd'hui à travers ce sommet. Ce pacte symbolise non seulement un engagement historique pour un multilatéralisme renouvelé, mais aussi une opportunité unique de renforcer les structures internationales afin de répondre aux différentes réalités économiques, sociales et environnementales auxquelles nous faisons face. Le monde est aujourd'hui confronté à des défis sans précédent qui nécessitent une coopération internationale plus forte et plus inclusive. Dans cette perspective, ce sommet offre une opportunité de revitaliser le multilatéralisme et de moderniser le système des Nations Unies pour qu'elle soit plus inclusive et représentative des réalités actuelles. Les mécanismes de gouvernance mondiale doivent être adaptés aux nouvelles dynamiques économiques et politiques et garantir que chaque nation, grande ou petite, ait une voix dans la résolution des crises mondiales. Cet événement majeur est également une opportunité de repenser la gouvernance mondiale en abordant des sujets tels que le financement du développement durable, l'égalité des genres et la protection de la biodiversité. En particulier, la réforme de l'architecture financière internationale est cruciale pour soutenir la transition de certains pays, en particulier les pays les moins avancés, les PMA, vers un développement durable. Il est essentiel de garantir que les bénéfices de la croissance soient équitablement partagés à travers le monde. Une des pierres angulaires du pacte pour l'avenir est l'inclusion des jeunes et la protection des générations futures. Aujourd'hui, plus de 1,9 milliard de jeunes vivent sur notre planète et leur participation dans les processus décisionnels est cruciale pour garantir une paix durable et un développement équitable. Trop souvent, les jeunes sont laissés de côté dans les discussions politiques et économiques, bien qu'ils détiennent un potentiel immense pour résoudre les crises globales, qu'il s'agisse du changement climatique ou des inégalités sociales. En Haïti, le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement s'engagent à intégrer les jeunes dans tous les aspects de la reconstruction nationale. En collaboration avec la communauté internationale, nous veillerons à ce que les générations futures ne portent pas le fardeau des erreurs du passé, mais bénéficient des progrès vers la paix durable et la justice sociale. Ce sommet est une... Voilà. Nous pas besoin de river plus, river plus loin. D'accord? Sans avis. Et vacabon, bon crasse de pays côté nouye, bon gang sale, bon méchant. Nous pas besoin de river plus loin. Mais ça qui est important pour moi, c'est que nous tendez, un petit extrait la prise de parole et monsieur ya, c'est pour lire, c'est pour dire deux trois depuis Aristide écrit bagala ba ou garantie ou à Lili mon cher va paraître parfait
Vous comprenez moi? C'est pour ça que coup de plume Aristide va être chargé. Vous comprenez moi? Ça, c'est pour ça que vous avez trop de entourage qui a une capacité ça. Vous d'accord avec moi? Vous avez trop de entourage qui a une capacité ça. Mais maintenant, ça qui est important, vous avez des qui éclaté. Ça veut dire que vous avez une division totale. Et c'est la map dit nous, peuple souverain. Faut nous très intelligents. Lorsque que équipe nèg sa yo met tête yo ensemble, yo met tête yo ensemble pour prendre décision dans intérêt personnel chaque grain nan yo pour que yo capable détruire ou même comme peuple pour yo contraindre nous pour yo capable face avec volonté ou. Par exemple en mars nous décidons nous dit c'est Guy Philippe que nous voulons dans toute dimension haïtien tout côté sur territoire a proclamé Guy Philippe a proclamation Guy Philippe dans toute la rue. Nèg yo fait complot. Jusqu'à 3 avril, yo décide si yon accord. Yo dit que c'est yo qui président, c'est 9 qui président, ap bon premier ministre fait 10. Yo camp en face ou. Et yo mette la police devant qui pour fizyo ou. Fait violence ou parce que yo gen contrôle police là. Et de fait, yo installé tête yo là. Jodi an, même nèg qui te fait promotion pour couler cette traite, yo soi-disant commencé divisé. Intel dit le parler couler cette traite. Intel dit couler cette traite là gué trois là dans volo. Faut que retire toi, faut que nous remplacer toi. Ça dit faut le craser. Gaïkoni, comment il dit Gaïkoni a fait complot pour craser couler cette traite. Intel dit c'est pas vrai. Intel dit c'est vrai. Ça veut dire que nous prenons nos problèmes, nous prenons nos cafouillages. Pardon, nous prenons nos complots là. Par le fait que nous prenons nos complots, qu'on y a fort dit tout. Tout ça qu'a fait là, c'est pour réaccorder violon. Parce que chaque le violon, yo bataille pour accorder. C'est nous même le sac à tendre, même sous tendre li accordé bon son c'est yo tendre mauvais son li vini avec gravité dans oreille nous li grave en pile mais le que guitare ça a commencé désaccorder et bien le ça yo commencé à sous côté pour yo diviser et puis par la suite yo pral chercher support ou même comme peuple anti clan pour même pour venir de yo réaccorder violon en cadre si accord pour reprendre pouvoir encore qu'on y a ça de faire comme peuple l'air divisé ou même comme peuple pour doué union. Mettez tête ensemble. Là où on divise à petit répit, ou on facilite pour dépatcher, démobiliser, dégrader, éradiquer toute la capitale. On a ça de faire. File manchette, racho, kachapika, utilisez tout ça qu'on capable. Même bedan, foutre yo coup de poudre. Mettez bedan dans sa queue à bouer. Utilisez tout moyen pour empoisonner yo. Cherchez moyen pour collaborer avec moun ki actionne pour défendre tête par tous les moyens pour nettoyer le territoire. Et Guy Philippe doit lancer un message clair parce que c'est leader national. Nous pas quitter ça continuer. OK? Ça pas de continuer parce que ça les grave en pile. Sinon pays a disparaître. Si nous était dans silence pour nous observer ça qui passer là, pays a disparaître oui. Parce que nous là, dans sens ça, nous obligé prendre responsabilité face avec situation qui est là. Ben moi t'as le toujours et ben moi t'as le oui et ben moi qui t'as couru chercher un bagage pour nous pendant que n'a fini dans notre petit extrait dans intervention sans savoir ça en avancé trop du changement et non de simple conservateur. Monsieur le président, excellences, mesdames, messieurs, Haïti est confronté à une crise multiforme qui menace les fondements même de l'État. La crise sécuritaire, alimentée par un trafic d'organes, de drogues, d'armes et de munitions, greffée sur une crise humanitaire, appelle une solution urgente des autorités haïtiennes avec l'aide de la communauté internationale. Le changement climatique qui intensifie les catastrophes naturelles telles que les ouragans et les sécheresses affecte fortement notre pays. Ces défis dépassent nos frontières et nécessitent une réponse collective mondiale. La stabilité d'Haïti est cruciale non seulement pour la région, mais pour l'équilibre global. Pour surmonter ces défis, Haïti a besoin du support de tous. Les investissements directs étrangers, la lutte contre les inégalités et le soutien renforcé dans les domaines de la sécurité et de la justice climatique sont essentiels pour assurer un avenir prospère à notre pays. Ce sommet de l'avenir est une étape cruciale pour renouveler notre engagement collectif en faveur du multilatéralisme. Les institutions internationales doivent être réformées pour devenir plus inclusives et adaptées aux défis actuels. La voix des pays en développement comme Haïti doit être entendue dans les grandes assises internationales
où se prennent les décisions majeures. La réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies est nécessaire pour mieux refléter les dynamiques géopolitiques actuelles. Haïti plaide pour un multilatéralisme véritablement équitable où chaque continent et chaque État, quelle que soit sa taille ou son influence. Voilà, mais en vérité, je t'ai coupé le micro dans la bouche de tout. Gros causé. Et t'as des noms. Mais en vérité que nous devons connaître, nous devons passer l'important. Messieurs, dames, t'as des noms. Dis qu'on bagaille qu'elle dit que me voulait nous souligner. Ou après dans le pays d'Haïti, y'a pas jamais parlé de ça. Trafic d'organes. En Haïti, quand trafic d'organes cap fin à territoire là, y'a disparaître pour sans camper, eh ben, n'a pas voulu parler de ça. Est-ce que vous comprenez? Y'a pas voulu parler de ça parce que y'a qu'on moun cap fait là. Ou après Ariel Henry, parce que ça qui fait obligé à dire dans les Nations Unies, c'est parce que blanc au courant de trafic d'organes. Mais par conséquent, ou après nèg ça ou pas voulu parler de trafic d'organes parce que y'a même y'a qu'on moun cap fait là. Yo connaît moun k'ap fè la c'est moun pa yo, mais de fait yo décidé pour yo protéger moun sa. Et m'ap di nou que dossier trafic d'organes nan, si yon moun ou avi Port-au-Prince côté m'ap parler voilà. Pas fait tellement excès pour rentrer Port-au-Prince, tant pis s'il vous plaît. Non seulement gagne des policiers qui nan haut état major police qui gagne agent dans la police k'ap travaille pour yo, k'ap disparaître moun, gagne pile jeune garçon ki nèg yo prend, yo disparaître yo complètement. Il prend organe yo. Il y a pile policier qui dans trafic d'organe. Il y a des hommes d'affaires qui dans secteur privé des affaires là, et pas tout. Qui dans trafic d'organe. L'État au courant. Des CPJ au courant de tout ça qu'a fait yo. Mais par conséquent, yo pas mari moun yo parce que c'est même moun qui dans trafic zam, même moun qui dans zangi, même moun qui détruit Haïti qui dans touyer Jovenel Moïse qui dans trafic d'organe. Mais de fait, moun ça li couvri par protection tête chargée parce que c'est lui qui aide monsieur ça arrivé chef dans pays là. M'a dit tout haïtien qui n'a pas de presse. Messieurs, dames, pas sorti sans besoin. Ou l'on gagne celle en bas là, ou rete la caillou. Si le mouvement qu'a fait, faut porter pour nous éradiquer ça là, nous capables de faire 2 millions, 3 millions haïtiens. Mais si c'est 100 grains de monde, 200 grains de monde, 300 grains de monde qui va prendre la rue, nous mettons la caillou. Il y a un soulèvement général qui prend le bail un chambardement total pour éradiquer tout ton système qui a détruit au pays, c'est lui que nous voulons. Et c'est ça nos besoins. OK? C'est lui que nous voulons, c'est ça nos besoins. Maintenant, en attendant, il y a un diplomate que moi m'attendais, et c'est un, monsieur Antoine, comme ça, qui a expliqué, qui déblosa, qui fait la diplomatie là. Et par la suite, vous pouvez attendre l'intervention du docteur Claude Joseph. L'important, en attendant l'intervention citoyen. Parce que là, obligé, tandis des mouns qui kon coordonner mouvement ça et activité ça déjà, mouns qui kon, qui j'en pour le préparer pour président, qui kon aller dans les Nations Unies et délégation haïtienne, entendez, yon expert dans le domaine ça et yon diplomate chevronné, ok? Entendez-le. Gardez du président de la République. Quel que soit l'autre bagarre qu'a fait dans le pays, le premier ministre étant le chef du gouvernement, la présidence ka gen politique, et puis la primature. Chef du gouvernement veille à ce que les ministres fassent travail pour exécuter le programme président. Maintenant, dans le contexte particulier de transition que nous y est là, côté gouvernement, gagné une feuille de route qui a quatre axes là-dedans. Ça n'a pas changé le fait que la présidence a supervisé pratiquement directement les relations d'Haïti avec la communauté internationale, surtout avec les enjeux de mission multinationale d'appui à la sécurité, ainsi de suite. Donc, ça qui doit arriver, c'est que dans les règles de l'art, chaque institution doit jouer rôle pour éviter qu'il y ait de cacophonie pour Haïti pas parler à plusieurs voix. Mm-hmm. Maintenant, dans la situation actuelle, normalement, à ce que moi-même moi connais, à ce que tout le monde qui connaît question ça connaît, vous comprenez, moi coordonner activité ça quatre fois. Moi, je suis ancien diplomate américain. Moi, je suis ancien diplomate de l'ONU, tout. Je travaille à l'ONU pendant pratiquement 11 ans. Jean Safet, le chef de délégation, normalement, est le président de la République. OK, d'office. Si le président pas parler parce qu'il y a des considérations politiques dans le pays, qui fait que l'obligé rester dans le pays, l'a désigné un chef de délégation.
logiquement, normalement, c'est le Premier ministre. Mmh. Et si le Premier ministre aussi est empêché, en l'occurrence, la ministre des Affaires étrangères. Donc, c'est ça que fait. Coordination en fait, normalement, à la présidence, en passant par le ministère des Affaires étrangères, bien impliqué la représentation permanente d'Haïti auprès des Nations Unies, et pour les questions qui concernaient directement, par exemple, Secret Service et ainsi de suite, l'ambassade d'Haïti à Washington. Donc, un premier ministre, ok, on va parler de Kony, on va parler de personnalité. Un premier ministre, pas qu'à prétendre, il prend l'Assemblée générale des Nations Unies si le président pas mette la délégation. Il pas qu'à prétendre faire ça. Ce serait une anomalie. C'est président qui chef diplomatie. Le président qui a une politique, il décide de le praler, il décide le premier ministre pas praler. S'il décide le premier ministre n'a pas aller, le premier ministre n'a pas qu'à aller pour l'alpha faire parler. Si le premier ministre prend une rencontre bilatérale, le président étant le chef de la diplomatie, faut que Chita parle pour le premier ministre dit qui est-ce qu'il va le rencontrer et puis qui ça le bral dit. Parce que Haïti pas qu'à parler de façon dépamant. Parole là, capote, c'est chef de délégation capote. Ok? Ou content de vous dire, ou pas qu'à servir de Dieu. En même temps. Son seul Dieu gagne, non, en même temps, on va capable. Impossible. Donc, c'est pour expliquer que, cafouillage qui gagne, hein, confusion, hein, pas sauté dans l'ambassade des États-Unis. Il sauté au sommet de l'État haïtien. Qui sont relégués au sommet de l'État haïtien? Bon, au sommet de l'État haïtien, certainement pour le moment d'ailleurs, c'est le pouvoir exécutif bicéphale, dans son sens bicéphale, qui comprend la présidence de la République, qui incarne pour l'instant par le conseil présidentiel. Avec neuf mouns? Oui, mais qui est un coordonnateur, ok, qui est capable de coordonner surtout les affaires étrangères du pays pour la présidence. Et d'ailleurs, m'a profité pour me dire, dans des mouns abdi, il y a une lettre de créance qui était présentée par deux ambassadeurs, il y a 8 conseils présidentiels qui là sont des ordres, sont l'obéi, ça pas de fait, il fait payer apparaître l'aide. Une présentation de lettre de créance, pas qu'à gagner 8 moun la donne, qu'à recevoir une lettre de créance. C'est Edgar Leblanc fils seulement, qui était coordonnateur, qui était supposé faire, et si il est empêché, pour qu'on s'est là, t'es désigné un moun qui vous était présent. C'est bon bagay, côté moun al fait photo, son bagay qui hautement solennel, son bagay qui est question de prestige pays à la donne. Donc, moi, pensez que, il y a deux problèmes fondamentaux. Un, la présidence est mal organisée. La loi dit qu'il y a pour la présidence fonctionner même quand ou dans un contexte de spécial, extra-constitutionnel de transition. La loi est portant organisation de l'État expliquer qu'il y a la présidence fonctionner. OK, pas gagné changé, même quand ou gagné même tout à gagné 200 présidents. Oui, même quand ou gagné présidence n'a nos céphales avec 9 têtes. Maintenant qu'on l'autre des autres qui fait encore tout. Si, je dis bien si, la primature décide, premier ministre n'a pas allé, sans que, par un aval de la présidence de la République, chef de la diplomatie, côté que ministre des Affaires étrangères là, est la première conseillère du président de la République en matière des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères, qu'elle parle directement avec le président de la République, sans le pas passer par le premier ministre, même quand elle a informé que le président dit le fait ABC. De même, le président doit dire, ministre des Affaires étrangères, là, on bagaille, il dit le pas du premier ministre, ça. C'est la prérogative du président de la République. Surtout en matière des affaires étrangères. Alors, moi, je voulais vous comprendre, on a parlé d'enjeux diplomatiques pour le pays, on va faire personnalité. Ça pas intéressé moi. Alors on va parler de manière générale pour aller au-delà de ça qui a passé à Haïti actuellement là. Comment ça fait normalement? Correct, ma vie c'est éclairer l'antenne mon yo. Maintenant, ce sont des règles universelles en général, c'est comme ça fonctionne. Et moi faire 4 fois, c'est-à-dire coordonner la participation du président de la République, chef de délégation aux Nations Unies, moi faire 4 fois. Ok, pour les deux derniers présidents élus du pays, son bagage moins qu'on est fin et bien, je suis ancien diplomate américain tout, et je travaille à l'ONU pendant pratiquement 11 ans. Maintenant, il y a un précédent déjà, côté président et premier ministre là,
participer à l'Assemblée générale des Nations Unies. Mm-hmm. Alors, moi, je dis participer entre guillemets, je m'explique. En 2014, moi, j'ai coordonné ce déplacement pour président Michel-Joseph Martelly, Laurent Lamothe, le premier ministre. Mm-hmm. Laurent Lamothe décidé le temps d'aller. Le président a accepté, le président a mis dans la délégation. Et bien, je vais expliquer bien. Délégation, c'est pour un bagage, côté n'importe qui en vini, ou mettez n'importe qui la donne. Le président de la République, chef de délégation, désigne les membres de la délégation. Je m'explique. Document gain la donne, d'abord, document officiel là. Son Excellence, Monsieur Intel Intel, président de la République. Son Excellence, Madame Intel Intel, première dame de la République. Normalement, Madame Président allez. Après, bien, le ministre des Affaires étrangères, ou bien si, premier ministre Tabralé, quand vous êtes en 2014 là, monsieur Laurent Salvador Lamothe, laisse ça, premier ministre. Cependant, monsieur Lamothe, son bagage, moi, qu'on aime. Mais dans la période là, Lamothe pas de ministre des Affaires étrangères? Non. Il était premier ministre en 2014. OK. Donc, c'est moi qui t'ai coordonné son bagage, moi, qu'on est fin et bien. 2013. Et m'étais préparé tout le temps contre le président, y compris les éléments de langage. M'étais coordonné et adresse que le président t'ait fait à l'Assemblée générale, à la tribune de l'ONU. Monsieur Lamothe était là. Liguen Moun l'était rencontré. Mais tout chef d'État et de gouvernement et ministre des Affaires étrangères qui t'ait rencontré, c'est le président t'ait rencontré. Pour éviter la cacophonie. Premier ministre était là pour le faire. L'autre bagaille est entré. Avec par exemple les finances publiques et pays donateurs en matière de parce que en ce moment-là le premier ministre en tout il était convé jalousement les questions de coordination de l'aide externe et moi laisse à le ministre de la coopération externe et de la planification était là aussi. Donc c'est pour expliquer que il n'est pas question que un chef de gouvernement, quel qu'il soit, quelle qu'elle soit, décide de lui-même, il prend l'Assemblée générale des Nations Unies, même dans un contexte exceptionnel, parce que faut qu'on comprenne, situation exceptionnelle, mais l'État a bon genre fonctionné, il faut haïtien apprendre. Alors, n'abral l'avancée. Ou sous dit à l'air, problème non, c'est au plus haut sommet de l'État. Mais, bon document oui. Officiel qui est en circulation, et qui sortit directement dans primature, li parler c'est Edgar Leblanc qui présidé délégation. Ça qui passé. Premier ministre parti samedi, premier ministre parti vendredi, Edgar li bloqué aéroport samedi. Ça qui passé. OK. Bon m'expliquer. Ce document ne peut pas originer à la primature. Impossible. C'est président chef délégation, document pas qu'à sortir à la primature. Et la primature n'est pas au-dessus du président de la présidence de la République. D'ailleurs, c'est le président nommé et premier ministre, là, même dans ce cas exceptionnel de transition. S'il sortit dans la primature, l'État supposé que son document de la présidence, que normalement, c'est normal que le président voie la primature pour le dire premier ministre, là, mais ça cap fait. Vous comprenez? Le président a quand même consulté le premier ministre sur la composition de la délégation. Mais le premier ministre n'a qu'à faire président suggestion, le président a accepté suggestion, il a rejeté. On a bon essayer de comprendre l'embarras. On se dit comprendre l'État. Oui, on se dit délégation, c'est la présidence qui montait délégation. Mais correct, mais attendez, comment Edgar Leblanc est chef de délégation et puis c'est Gary Conny, premier ministre, qui a préparé délégation. Quelle histoire. À moins que Edgar Leblanc ait délégué premier ministre là ça. Mais il n'a pas qu'à prendre deux doigts. Impossible. Vous comprenez ça, Mdoula? Donc maintenant, moi je crois que je ne suis pas dans le secret des dieux. Américains comprennent bagarre ça très bien, il y a fait depuis 1945. Gon façon ça fait. Façon ça fait, mais quatre fois m'a géré là et m'a coordonné là et que l'autre monde qui connaît. La présidence prépare la délégation officielle. Si le président peut aller, il est le chef de délégation. Et puis par correspondance. OK, de la présidence informe le ministre des Affaires étrangères, copie au premier ministre que mes délégations officielles là, ni même bien la donne, tout le monde qui va accompagner le président, OK, même intendant,
même journaliste, peut-être qui ça parce que sous journaliste ou pralé ou pas dans délégation officielle là, là pratiquement impossible pour joindre pour gagner accès accréditation pour une carte accréditation pas joindre ni OK mais c'est mission permanente là pour faire pour mm-hmm. même quand c'est où qu'a payer billet mm-hmm. pour aller ou à payer hôtel ou mais on dit moun qui dans délégation hein, t'as besoin visa de Haïti il faut qu'on visa pour aller dans Nations Unies qui est-ce qui doit solliciter visa ça dernière fois m'te fait là président fin préparer l'issue moi contacter moun dans média par exemple qui pralé yo tout moun ça yo moi di yo qui ça yo besoin pour soumettre pour yo aller première question me poser est-ce qu'on gagne passeport deuxième question est-ce qu'on gagne visa américain sou pa gagne moi contacter le chef du protocole au palais national qui était Yves Mazil mm-hmm. Si me menti, OK, Yves ambassadeur Mazil ka démenti. Moi bal lis là, moi bal document moun yo, li fait un autre verbal à travers le ministère des Affaires étrangères, li sollicite visa pour moun sa yo auprès du consulat des États-Unis d'Amérique. Et là ça m'd'après aller à tout moun de jeune visa. Et gen te jeune ni sou passeport personnel yo. C'est Pierre-Antoine lui qui a parlé. La parler en connaissance de cause, ok, ancien conseiller spécial du président en matière diplomatique, ancien diplomate américain, ancien diplomate de l'ONU, et technicien dans sa labdia. M'pap voye monter m'kon sa mabdia. Maintenant, alors laisse arriver un document officiel qui sorti nan palais, kal nan ministère affaires étrangères qui mandé ministère affaires étrangères pour informer le secrétaire général des Nations Unies qui a fait pression parce que en passant faut me dire que son bagage qui commencé en mars avril mm-hmm. Donc il y a pression qui a fait au niveau de alors si nous permettre prendre un petit coupé intervention diplomate là qui m'estime qui est extrêmement important pour que nous tendez parce que il y a qui me dit là li bon pour apprendre et moi-même content d'entendre monsieur bien que c'est pas un monde que me connaît même d'ailleurs mais justement pour nous faire un petit parler ensemble avec tout dans l'émission là mais ça qui est important c'est que depuis le parler là dans des plateformes nous ca peut-être faut entendre le tout l'important pour nous comprendre qui déblosa qui gagne dans affaires diplomatie dans pays d'Haïti et qui qualité image que monsieur a décidé vendre de Haïti vers l'autre pays comme si il sale pays davantage fait nous pas représenter un et encore pendant que Haïtiens a font pile effort aux États-Unis d'Amérique là pour avoir des réponses proportionnelles par rapport avec lobby ou du moins accusation que équipe républicaine dans notre champion tout fait sous nous là pendant qu'il y a pile haïtien qui a pissé bataille pour redorer blason réparer image nous mais qui qualité image que n'a gap vendre avec l'autre pays alors on veut nous prendre ça très au sérieux partager mission ça pour nous faciliter plus monde capable tendre et comprendre ensemble avec nous entendez avec un pile intérêt de la représentation haïtienne auprès de l'ONU parce que eux-mêmes tu as recevoir pression du secrétaire général des Nations Unies et en même temps tu as recevoir pression du département d'État OK et de Secret Service qui fait partie de Department of Homeland Security département de la sécurité intérieure des États-Unis pour nous bailler agenda qui côté président Bralé parce que c'est Secret Service des États-Unis c'est pas agent armé haïtien qui a protégé président là-bas même quand quelqu'un quelque là-dedans au calé. Donc maintenant les documents ça arrivé, c'est la délégation officielle, c'est sous base ça, américain ou by visa, il y a prêt toute disposition pour vous permettre que les délégations haïtiennes arrivent à bon port. Maintenant, si quelque part, le président a décidé le pape chef de délégation encore, ça arrivait déjà, on est là. Oui. Qui ça nous fait? Nous croyons que c'est battu en 93. Le président en difficulté politique, il n'a pas fait élection. OK, nous conseiller le président parler. Délégué premier ministre là. Pendant m'a préparé tout document un mois avant alors que nous t'ai fini des Nations Unies, c'est le président pas aller, président décider pas aller. Mm-hmm. Il délégué premier ministre là. Moi rédige une lettre que en 93 c'était Préval. Non. Mateli. 93 ou 2013. Alors, on va parler de 2013, d'accord. 2013. Mm-hmm. Que le président décider il pas aller. Et par correspondance officielle, li informé et premier ministre Lamotte que li décide li pas conduire délégation, li nommer le chef de délégation. Et à ce moment précis, nous transférer tout document que t'as préparé au premier ministre. Et puis à un certain point, vers mai comme ça, nous inscrit à l'agenda du Conseil des ministres la participation d'Haïti
à l'Assemblée générale X des Nations Unies cette année. Et laisse ça son occasion pour le président informer le Conseil des ministres là que la chef de délégation, même qui thème qui retenu année ça pour l'Assemblée générale là, même qui question et enjeu qui est important pour Haïti, et que le mandat tout ministère, le et conseiller le palais national ou encore le ministère des Affaires étrangères, contactez-vous pour bas information pour permettre la préparation de la délégation. Alors, n'a pas communication beaucoup plus la dernière, n'a pas avancé pour nous, Sinda, pour attendre tout. Pour respecter un minimum de règles. N'a pas gagné ça, moi-même, je n'ai pas gagné amis. Je ne pièce pour militer pour vous. D'ailleurs, moi, je suis un consultant. Je suis Mabdoula. Et puis, je ne pas dire ça, je ne pas parler ça, pas ça, je ne pas parler en pile. Sur ce point, je ne suis en Haïti. Donc, je m'explique que ça passe, quelque part, le Premier ministre l'a déplacé. Américains ont pensé que peut-être Edgar Leblanc, coordonnateur de la présidence, qui t'a supposé. Liba est Premier ministre de la délégation de pouvoir. Attendez, Américains ont confus. Mm-hmm. Ou même Premier ministre, quand il est allé à la délégation, il y a un document officiel dans le qui dit qui est-ce qui peut aller. Donc, dans la tête, et Galop le papa, encore, je voulais comprendre tout. Secret Service qu'on y a là, très demandé. Il y a un pile de bagages dans le plateau. Il y a un assassiné deux fois. Oui. Il y a sécurisé 140 chefs d'État et de gouvernement qui viennent aux États-Unis et juste semaine ça. Oui. Qui peut aller pour la plupart samedi, dimanche ou bien semaine prochaine. Donc, yo bon paquet de bagaille pour yo faire. Yo t'a préféré que un pays parle avec deux officiels de l'État, parle avec trois officiels de l'État, ou même deux officiels de l'État, chef de gouvernement et chef d'État, parce que à ce niveau, c'est Américain ou bas sécurité. Yo t'a préféré ou pas faire ça. Oui, tout est en délégation, pipiti, c'est yo plus content. Oui. Parce que l'Iba au moins travaille, parce que son enjeu de sécurité tête chargée. Regardez, son président, dans les Nations Unies, et puis président américain là, tout le temps président américain parle au bloqué. Ou pas sorti. Moun pas prêté, moun pas sorti. Oui. Donc, yo pas vle pour un pile moun aller, vous comprenez, à monter, descendre, d'ailleurs, pas réellement qu'à régler rien. Tout ça a fait fort, un badge, tout bagaille aseptisé, ouais, l'Oben a fait ici qui passe. Ou pensez l'Esti Voltaire qu'on est là, qu'on est ça, parce que, il dit, mettez l'Esti de aujourd'hui, hein? Bon, si on fait ça, c'est parce que, monsieur, à l'autre côté, côté le pas de badge pour l'aller. Ça veut dire, même chef d'État, yo, gagné, ou pin, yo, bah, yo, que vous mettez dans l'appel et les vidéos, pour participer. C'est-à-dire, gain de activité, monsieur, pas qu'à le participer là-dedans comme chef d'État, c'est seul Edgar Leblanc qui a fait ça. Parce qu'il y a un seul pin pour chef de délégation. Ouais. Et il n'est pas transférable. Chef de délégation n'est pas calme l'autre monde. Yeah. C'est le rêve bien, bien planifié, bien organisé. Dans tout ça, nous. C'est pas bagage folklore qui fait dans Haïti. Nous, dans tout ça, nous, cafouillage, malheureusement, c'est pas là, et pas ça, nous devons parler, et puis Antoine, lui. Mais quand même. Pas du tout. Nous devons supposer parler des enjeux de élection de sécurité. De l'Assemblée pour Haïti. Oui. Alors, demain. Mais c'est dans l'OBS à nous aujourd'hui. D'ailleurs, bagage, c'est emblématique parce que le montrer, ça fait Haïti pas marcher. Mais. Même temps pour les gouverner pays, parce que toujours qu'on zingue, on l'obéit. Mais Edgar doit déplacer demain. Bon. Information qui s'il est le chef de la délégation américaine, on va jouer nous façon quand même pour gérer ça. Parce que l'in a intérêt autour. Pour monsieur là, au regard des enjeux, puis on a essayé de transformer mission en une mission de maintien de la paix. Ouais. Au regard de la nécessité qu'au plus haut sommet, Haïti t'a supposé et participer dans certaines rencontres. Par exemple, monsieur Younamoun qui t'a conseillé. Que délégation, chef délégation haïtienne a rencontré le président Luis Inácio Lula da Silva. Mais c'est là, et ça quand même pose une question, nous allons arriver là, Gary Conny rencontre avec Jodia. Bon, sont des autres, sont l'obéi. Alors, c'est Lula qui t'a sollicité rencontre là. C'est Lula qui sollicité rencontre là. Information vient, c'est Lula qui sollicité rencontre là. Oui, mais attendez. Mais Lula fait parce que c'est mon sale joint de l'autre bois. Et Brésilien, où qu'on est? Que Haïti go chef de l'État go moun représente l. D'ailleurs, Haïti avec la Fédération du Brésil gagne relation diplomatique. Donc monsieur connaît que si représentant chef l'État haïtien là, ça avait pour le rencontrer. Donc là, c'est cafouillage pas nous. C'est pas regardez, Lula pas mandé pour le parler, pour le rencontrer,
et forcément, et Gary Conille, lui mandé pour rencontrer le chef de l'État haïtien, le chef de la délégation haïtienne. Ou à comprendre qui ça fait étranger ou capable de confus par rapport à qui est-ce qui représente Haïti. Et ça, nous sommes capables d'éviter parce que effectivement, au plus haut niveau, il faut qu'Haïti rencontre avec Lula. Vous comprenez peut-être qui ça? Mm-hmm. Pour que le Brésil, qui c'est BA dans BRICS, qui a Russie, qui a Chine là-dedans, qui a appuyé veto pour ne pas transformer mission en une mission de maintien de la paix. Parce que si l'État est mission multinationale, il y a toujours un problème COB là. Tandis qu'on mission de l'ONU, pas un problème COB parce que l'ONU tenu, et tout pays m'a tenu financer toute activité l'ONU à prendre, dont les missions de maintien de la paix. Donc ça va déranger, ça va déranger Gary Conille qui sollicitait par Luis Ignacio Lula da Silva. C'est pas dérangé. Bon, ou qu'on nous bagaille, moi-même d'abgué élégance pour me dire, chef l'État haïtien a vini, tant pis, est-ce que le représentant chef l'État haïtien a vini, c'est-à-dire le coordonnateur de la présidence haïtienne a vini, est-ce que là possible, nos amis brésiliens, mais qu'il est là vini pour nous faire un compte là? Et si on t'a dit, on pas capable, moi-même qui est premier ministre, je t'apprends le président, je t'apprends le monsieur Leblanc, je t'apprends expliqué un bourrier, et puis je t'apprends expliqué que, mais le président Brésil là, m'a donné un compte, et puis je t'apprends sollicité de la présidence pour nous harmoniser, nous qui ça nous a dit. Parce que regardez, l'État, ce n'est pas, c'est pas un business où on est pour faire sauver. Ouais, l'État, c'est pas un boutique, c'est pas un boutique lié. L'État, comment ça fonctionne? C'est d'ailleurs, si on Zach qui pose, officiel qui pose Zach là, pas de gain pas de gain hauteur suffisamment de poids et politique et juridique pour ouais, regardez, le président de la République négocie les traités où il délègue la négociation des traités. Ou elle prend une décision avec un chef d'État étranger que le président de la République pas autorisé, il n'a pas accepté pour exécuter. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'Haïtiens comprennent. C'est qu'on sent qu'il obéit pour ne pas faire sauver. Alors, on dit qu'ils vont en question, on dit qu'ils vont en question, moi là, ils apprécient l'intervention, non, mais on dit qu'ils demandé, pose aux questions ça, pour qui ça, ou t'es quitté Michel Martelly avec Laurent Lamont à l'enterrement, ou Hugo Chavez avec chemise rouge? Par contre, ça, mon Nadia, ça n'a rien à voir avec moi. Mon a fait l'obéi. M'a kon bagay kon sa. OK, m'a pas avec ou, m'a pas kon ki ça ou t'ap mete. Ou comprendre ça m'dou, c'est pour montrer que ouais, regardez, on n'a pas l'on bagay sérieux, mon a relé pour le faire. Mon n'a pas kon ça la dire. Ça n'avait rien à voir avec moi. OK frère, le nèg ici besoin faire tintin ou, yo pas mandé moun ki connaît pour faire tintin ou. Comprendre même pas. D'ailleurs, m'son nèg de droite, m'pa na faire communiste, m'pa na faire socialiste, m'pa je me conseille au président, même le m'pensé que bon, faut faire abstraction de tête tout. Si vous prenez job là, faut accepter une série de bagailles. Mais ça, nous n'avons pas allé à m'bakoun bagaille comme ça. C'est zin, même pas comme dans zin. Bah, c'est audité à les jeunes réponses là. Alors, nous pas le fini, Pierre-Antoine. Nous pas le fini, Pierre-Antoine, lui. Mais bon, m'en dis, avant de finir, dans tout ça, Nations Unies, Edgar Leblanc, à partir de même, m'en confirmé lui, et m'en quoi tout lui, écrit le sous-page lui. C'est lui-même qui a pris pour prendre la parole jeudi, cap 26 septembre, cap vin là, dans tribune Nations Unies. Est-ce que des messieurs, des gouvernements, doivent entendre pour retirer Haïti côté là? Est-ce que doivent quitter ti incident ça qui passe à deux côtés pour avancer avec pays? Mon cher, alors excusez-moi, m'a contredit un petit peu, mais c'est pas en contradiction pour faire parler l'aide. En fait, c'est pour un petit incident. On connaît ça, haïtien, nous toujours pas utiliser euphémisme. Oui. Son coquin chaîne, gros incident qui montrait oui, la nécessité de cohérence au sein des élites haïtiennes. Sans des blousailles. Le pays a fonctionné à l'image de ces élites qui sont irresponsables et ou bien même impression antipatriote. C'est quand nous raillons Haïti, nous raillons tête, non. Parce que l'image nous véhicule est pas bon pour le pays. Et n'a aucune façon. Maintenant, nous souhaitons que, alors, le premier incident est fait, le premier ministre est allé en mission New York et Washington. Moi, j'ai proposé que l'œil tourne pour nous oublier et enterrer l'âge de guerre, puis oublier toute l'obéille, puis pour chiter ensemble. Moi, rappelez que avant le premier ministre est allé, il était fait une retraite. Moi, j'ai dit, t'as supposé qu'on retraite entre la présidence et la primature. Pour yo mettre yo d'accord sur certains modes de. Alors, n'a pas tourné sur monsieur Antoine
Et ça qui est important, c'est que nous avons attendu en pile dans l'intervention. Et j'ai trouvé qu'il était important pour que moi te partage ensemble avec nous. Maintenant, on avance dans un chapitre qui est très important. Et parce que nous avons plein d'interventions pour nous partager ensemble avec vous. Moi-même, tout, j'aime dans la rue, papa. J'aime dans la rue. J'aime dans la rue. Je passe ouais Foucault. Je passe ouais Foucault. Au bon moment. Et s'entendant, nous faisons marcher. Mais bien que Foucault peut être capable de monter dans la vidéo. Mais je dis, je fais une vidéo ensemble avec toi. On a pour ensemble. Et il faut y parler. Faut-il parler de on sait de situation qu'a pu développer et naturellement vidéo pas des vidéos pour nous papa oh madame dans la rue mon chien fait une vidéo et chaque jour mon chien depuis me sorti là papa que ce soit l'école ou pas on devait côté mieux à des mieux possibilités m'a dit tout à quelque chose parce que situation pays d'Haïti a faut nous tout parler et ça que m'a dit de pour le téléphone m'tout dire ça très bien soit en mesure pour que ou faire voir au passé m'a tout enregistrer ou quelque soit côté mieux pour que vin mette voix ou sous plateforme nan pour revendication pour l'an passé. Chaque côté nous, c'est mon cap, mon nan sud, mon nan nord, mon nan, tout côté, tout nos petits zones où y a Haïti, tout côté où y a États-Unis, mais pour ça fait. Nous gagnons pile d'amis tout dans Springfield et dans zone Ohio. Nous avons un journaliste qui te contacte, nous avons dit, monsieur, si l'apte d'émission, et contactez nous encore parce que, et m'a content balance ma vie, parce que li très important. Maintenant, avant que nous fassions nos temps d'intervention que, et qui fait hier là, on a le temps de Claude Joseph qui est départi à Gariconi. Entendez ça. Docteur Claude Joseph, ancien premier ministre, bon, comme on a même toujours dit, c'est le deux bons amis. Dans le compte, ou pas le connaître qui s'actape, qui va être malentendu, qui tape manigas en dedans. Entendez. Déplacement, chaque siège social, parti politique aidé pour couvrir conférence. Un moment difficile, à booster information pour population, pour capable de meilleure décision. Donc, moi voulais féliciter courage qui est extrêmement difficile, au moment qui est marqué par une incertitude. Et dans un moment incertitude, ça y est. C'est force politique, yo, c'est parti politique, yo, c'est organisation de la société civile là qui l'a pour montrer chemin. C'est ça qui fait aider les engagés pour le développement à continuer à jouer le rôle avant-garde li bon côté peuple haïtien. Place pas aider, place pas nous, c'est bon côté peuple haïtien. Après départ, régime qui s'est passé là, population a obtenu un apaisement. Population a obtenu un soulagement. Mais l'espoir, peuple a caressé, n'a pas semblé prêt pour arriver. Après plus que 100 jours, le gouvernement gariconien continue à marquer pas sur place. Grand goût et misère pas suspendre taille bandale dans le ventre du peuple. Pour insécurité à même, nous pas qu'à parler. C'est dans le contexte misère à augmenter. C'est dans le contexte insécurité à valer terrain. Moun pas qu'à aller en grand sud. M. Gariconi célébré en grand pompe. 100 jours. Dans tête gouvernement. Yon bilan meg qui célébré en grand neg. Célébration sans jour ça, c'est une provocation pour peuple haïtien qui nan misère. Yon célébration sans jour pour faire monsieur Gary pour ni bien paraître même si Haïti prête pour disparaître. Économie pays a a connu sixième année consécutive de croissance négative. Toute projection qui est disponible confirme tendance à. Bon côté gouvernement, pas aucune mesure concrète qui prévoit pour inverser courbe croissance à. Pour preuve, au monde qui a suivi bien,
les cadrages, on les cadrages raté budget 2024-2025, là, là-dedans, pas gagné aucune projection qui est établie. Pas gagné aucun objectif chiffré dans les cadrages. Est-ce que nous devons conclure que le gouvernement ça pas gagné aucun objectif sinon que propagande, sinon que marché monte descend. Inflation, il y a pire au niveau que nous ne jamais connaître. C'est 30% lié d'après dernier statistique IHSI. Pour produits alimentaires eux-mêmes, inflation à environ 43%. Alors que 50% compatriotes nous à vivre pour insécurité alimentaire aiguë. Yon bilan MEG qui célébré en grand neg. Célébration sans jusa, c'est une provocation pour peuple là. Nous tous journalistes nous ouais. Gros photo dans gros hôtel pour célébrer sans jour misère, sans jour insécurité, sans jour incertitude, sans jour moment difficile. Propagande, c'est pour première fois dans l'histoire transition un pays, un chef gouvernement utiliser propagande dans niveau ça pour les cacher, essayer de cacher misère peuple. Et nous allons voir ça. Dans tentative boycottage participation président CPTA dans 79e session Assemblée générale l'ONU dans New York. Ça c'est dernier goutte d'eau qui renversait vase projet pour craser CPTA. Primati nostalgique de un exécutif qui ont seule tête. Primati nostalgique de un exécutif monocéphale. Projet Primati, c'est projet pouvoir total, un pouvoir absolu. C'est pas pour ça. Fait c'est pour ça nous pas jamais dans l'histoire pays a j'en sou dit là un chef gouvernement propagandiste à niveau ça. Ça peuple a besoin dans moment n'a parlé là. C'est sécurité. C'est un apaisement. C'est élection. C'est une autre constitution. C'est pour ça parti politique aider tes batailles pour accoucher transition. Comportement chef gouvernement mettez en pile acteur en doute sur capacité pour apaiser misère peuple, faire élection en transparence et la tri. Nous voyons ça déjà. Nous tout connons comment le passé. Et défaire déjà si nous pas corriger situation ça peuple haïtien aider a toujours été bon côté nous peuple haïtien aider a toujours charrié revendication nous mais sans plus dis nous qui ça sorti dans ça. Bon, pour ça qui vient à ouais à représentant parti politique aider compromis à red. Pour ça qui gagne à ouais, à membre fondateur parti politique aidé qui représente nous dans le conseil présidentiel là, c'est une page tournée. Nous souhaitons bonne chance à camarade nous, Smith Augustin. Nous croyons qui gagne un pile avenir politique et professionnel. Malheureusement, il est tombé dans une situation qui n'est pas intéressante. Pour protéger le processus transitionnel là qui est déjà trop fragile, aider, mettre le bon côté de l'histoire. Parce que, je dis, la force politique, la force dans la société civile, là, nous gagnons une responsabilité historique pour la transition Sahara, cette dernière transition pays à vivre.
Est-ce que vous avez le bon côté compromis avec l'autre parti sous remplacement? Est-ce que nous entendons sur ça? Nous sommes des acteurs politiques responsables. Nous gagnons face à nous une situation qui est capable de dire extrêmement difficile. Gagner un rôle pour acteurs politiques qui jouer pour être capable de jouer un dénouement heureux à la crise. Là. Aider, je vois le parle là déjà, aider, travailler ensemble avec partenaires internationaux et nationaux pour nous capables de jouer un dénouement heureux à la crise. Merci. Voilà, c'était Claude Joseph. Moi-même, ça que m'a demandé, nous, c'est qui ton commentaire? Parce que l'exercice, ça, yo, nous connaissons déjà et nous connaissons comment faire déjà. Nous extrêmement intelligents là-dedans et il est important pour nous quitter un commentaire là. Et nous comprenons. Dans l'intervention, pas moi, pendant que moi dans la rue hier, eh ben, nous avons fait un petit parler sur ça qui passé hier là. Je vais partager là avec nous. Je vais demander de nous partager l'émission. Ça sont été intervention. Alors, le gonti bruit dans son, hein? Mais nous devons aller là avec un peu d'intérêt parce que samedi là, il est extrêmement important. Et en attendant, nous rentrer dans cette intervention que nous faisons, nous courons à prendre l'intervention de Gary Koni, hein? Parce que Gary Koni font y parler. Nous courons pour l'intervention de Gary Koni, hein? Tout. Et suite avec question qu'il t'a répondre, sous façon que délégation ça a déplacé rentre New York et qui ça qu'il a réglé les mêmes avec groupe moun palio parce que pas oublier dans groupe Gary Koni il y a un ministre affaires étrangères là qui accompagne il y a de l'autre monde et ça font pas qu'être parler en pile on a le courir tendez Gary Koni et puis par la suite pour nous tendez de l'autre version sous régional c'est vraiment ambiance côté que vraiment ou profiter côté où tout le monde normalement, pour t'a rencontré, tout le monde qu'on a rencontré dans la session Assemblée Générale, la session ça, la semaine ça, faut t'a fait des semaines de voyage, des heures d'appel téléphonique, faut t'a dépensé un paquet de comme pour rencontrer eux. Donc, depuis des années, Assemblée Générale, l'opportunité ça, pour chef d'État, pour chef de gouvernement, venir et profiter, faire avancer l'agenda. Donc, nous venons là, je dis à Gary, justement, c'est pour ça, c'est pour faire des rencontres bilatérales, nous venons comme étant partie de la délégation du présidé par le président Leblanc, pour nous-mêmes, nous venons profiter, faire contact, faire dialogue, réseau avec national, avec bilatéral, avec multinational, avec international, avec organisation internationale pour discuter de dossiers haïtiens, pour nous rappeler et mettre dossier haïtien sous table, pour nous rappeler le monde entier que des engagements nous prenons envers Haïti, pour nous dire partenaires que nous avons vision, nous avons idées, nous avons stratégies et que faut que nous supportions. Nous, il est vendredi soir, déjà nous faisons première rencontre avec des experts de haut niveau de l'Université Columbia qui offrit pour nous une assistance technique pour nous réfléchir sur des dossiers très difficiles, concours sécurité alimentaire, concours comment pour nous faire réforme administration publique, comment pour nous garder question sécurité. Comment ça te dérange, moi? C'est là que je garde tout ça, mais ça parle, c'est lui-même, c'est mandé l'allemandé dans nos Haïti. Pendant que vous décidez, elle dépense au paquet de l'argent dans les pays, oui, mais c'est mandé l'allemandé. Parce que vous avez même fait toute ville à travailler dans l'organisation, cap marché prend aide dans tout le monde dans le monde là. Ou en Zamab Diolan, offrir faux aide. Mais les mêmes c'est les faits pays à ton un pays mendiant un pays qui avec bol blé mais par conséquent ça que pays a gagné comme richesse là-dedans l'état a gagné comme ressource il y a pas exploité il y a qui ton équipe volé sans avoir à piller l'état mais les mêmes la protéger nèg yo pour que les continuer mendier avec bol blé ça veut dire que Gary Koni n'importe qui gens faut que nous retirer monsieur là il pas trop tard monsieur qui a gagné 100 jours là on nous pas quitter le fait 120 jours on nous pas quitter le fait 200 jours franchement on pas quitter ça passer. Va quitter le rivet de 100 jours. Parce que la gavou nous en pile. En nous tendez, monsieur. Samedi matin, nous participons au panel avec Malawi, avec ancienne directrice et PAM, pour nous discuter de problèmes de sécurité alimentaire qu'on a en Haïti, presque 50 populations
en insécurité alimentaire arrive, on est qu'il y a plus de 2 millions de monde qui a petit monde qui a souffert de malnutrition avec des conséquences très graves sur santé, on nous font nous font gros réunion avec président Malawi. Malawi c'est un pays en Afrique qui fait des avancées assez intéressantes dans la question production agricole et dans table ronde nous discuter avec experts de situation haïtienne. Hier Gary nous rencontrer avec cadre supérieur Banque mondiale pour nous discuter de cadre de coopération avec Banque là, pour informer Banque là que la situation n'a pas entré là, la situation d'urgence n'a pas entré là, la situation sécuritaire, le cadre d'action que n'a pas sécuritaire, n'a besoin de Banque mondiale qui est flexible, qui est capable de mobiliser les ressources, qui est capable de venir aider nous mettre en place les infrastructures qu'il faut. Et les idées, les discussions que nous avons eues ont été très, très bien reçues. Hier après-midi, nous rencontrons avec un partenaire clé, Premier ministre Jamaïque là, comme nous connaissons Jamaïque, pour aider nous déployer non seulement des polices, mais aider nous déployer des bateaux tout pour protéger Béa, et nous restons à 4 000 là avec bandits qui a attaqué bateau en haute mer. Et nous joignons que solidarité a là tout à fait. Nous discutons de modalités de déploiement, de timing, nous discutons de problèmes transfrontaliers qu'en coup. Le fait que les armes cap sont Haïti à la Cali, nous profiter pour parler d'une situation anti-jambété, non. C'est un groupe de monde, qui te prend bateau, qui a dirigé Jamaïque, qui est petit retard dans gestion dossier, ils promettent que vous pourrez faire diligence. Et je dis à type de réunion, ça y est, pour le continuer. Donc, c'est ainsi que Gary Matin m'a animé une session avec Premier ministre Trudeau, qui a bien la donne chef d'État, chef de gouvernement, pour nous discuter de situation d'Haïti. Le mercredi, m'a animé une session avec le secrétaire d'État Blinken. Mercredi, nous avons organisé une grosse session que nous-mêmes, Haïti, nous avons organisée avec financement la BID, pour nous dire que non seulement il y a un problème sécuritaire, mais ce n'est pas le seul bagage qui définit Haïti. Haïti, c'est un pays qui a des opportunités extraordinaires d'investissement, particulièrement dans le nord et dans le sud. Nous déjà gagné plus de 5 quelques mondes qui intéressent à venir dans la session. Ça. Nous avons rencontré l'autre bilatéraux autour, l'autre pays, pour nous pousser, pour nous avancer. Solidarité internationale. Alors, c'est Gary Conny qui n'a mis qu'au Gary Vévolchal. Et après. Allô? Scoop! Oui, je suis là. Je t'écoute. Ok. Oui, maintenant, Premier ministre. Et tout à l'heure, quand on fait bilan, maintenant, la question, c'est qu'en fait, il y a une information. Nous avons confirmé pour nous est-ce que finalement, le président Edgar Leblanc-Fils a pointé? Malheureusement, beaucoup parlé avec le président Leblanc depuis hier soir, mais l'information que m'a pris dans la presse, c'est que les États-Unis engagent pour offrir au président Leblanc toutes les courtoisies offertes aux chefs d'État quand ils sont en visite aux Nations Unies, ce qui était une bonne nouvelle. Après, rappeler, Gary, que depuis avant de partir, de sortir une note de presse, côté que m'a expliqué que m'a fait partie d'une délégation qui présidait par le président Leblanc, m'a coordonné des voyages là avec le président Leblanc, c'était de présentation de Wolpan. T'es connaît que ça t'a fait. Et évidemment, nous-mêmes, nous arrivons et puis nous continué de travailler. Évidemment, nous connaît que il y a deux conseillers présidentiels qui sont ici de New York en ce moment. Un conseiller présidentiel Voltaire qui est ici déjà, mais nous ne savons pas si le conseil présidentiel là entend tout que le président Leblanc a venu quand même. Oui, mais en plus, le monde a interprété que c'est où pour parler parce qu'il y a un petit problème côté service sécurité. Tu es refusé par la sécurité quand même. Non, je crois que c'est là qui peut-être a une petite confusion, là, qui président. Qui, dès le départ, nous-mêmes, il était clair pour nous que c'est président Leblanc qui est chef de délégation ou elle en note de presse. Nous, et à ce titre, évidemment, c'est lui pour rencontrer secrétaire général et c'est lui en général tout pour faire discours des Nations Unies. Évidemment, nous-mêmes, nous appelons en première ligne pour nous appuyer, pour soutenir et pour nous applaudir au nom de Haïti. Maintenant, nous remarquons rapidement que on décrète sorti au palais du conseil électoral là, il y a 7 membres, il y a un qui dit, et l'idée de 9, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le gouvernement? Est-ce que déjà, et toute structure mettait en place pour au moins aller vers les élections? Justement, mais en revenant rapidement tout sous question, ça a rappelé que le fait que son pratique assez courante, Gary, que le Premier ministre a venu avec le président Ungas, ça a été fait avec Boniface la Tortue, ça a été fait avec Mantelli son pratique qui est assez courante et dans tous les cas, toujours bien tous les moyens qu'il met à disposition de l'élégation pour qu'il fait travail et son travail de complémentarité. Mais sur ta question, effectivement, il est absolument important pour nous pour avancer sur le conseil électoral.
rendement de coûte, c'est 16 mois. Il faut absolument que Haïti gagne les élus le 7 février. Nous pas grand pile temps. Nous pas qu'à perdre du temps. Il y a déjà perdu trop de temps sans élus. Il faut que la population qu'a prononcé, que le cap prenne des stèles en main. C'est pour ça que je suis très content que le conseil présidentiel a fait tout effort que le capable pour le ban au conseil électoral là, que je l'espère qu'a installé très vite. Nous-mêmes, le gouvernement, nous déjà prenons disposition pour financer, nous déjà prenons disposition pour nous faire l'appui logistique, nous déjà prenons disposition pour nous faire tout accompagnement que nous besoin. Donc, dès que CEPA fonctionnel n'a pas commencé à avancer à toute vitesse sous question électorale, évidemment, pendant qu'on a résolu le problème sécuritaire. Maintenant, le pays a tellement connu qu'il a changé le magistrat et le directeur général, puisque en plus où il a circulé, côté où il pensait qu'il y a un problème sérieux en termes de nomination, parce que finalement, par exemple, quand il a fait nomination, CPT a gagné beaucoup d'entendre tout ça, le magistrat a gagné des cartels qui n'ont pas qui l'a gagné parti. Donc, qui décision pas prendre, parce que vraiment, le gouvernement a CPT a un retard par rapport à l'agenda, nous te dit que nous avons pour nous faire élection rapidement. Hey, merci beaucoup pour la question. Ça, effectivement, il y a à peu près 2 semaines, en tant que ministre de l'Intérieur, moi présenté avec l'équipe de CPTA situation Mairie. Il y a presque moitié Mairie qui ont un niveau de dysfonctionnement. Et nous présenter au cas par cas avec une analyse de chaque camp particulier. Chaque manqué un membre, chaque manqué 2 membres, chaque manqué 3 membres, chaque gain gourmet interne qui fait que Mairie a dysfonctionnel. Et nous font proposition tout bas avec CPTA sur comment nous quoi nous avons fait changement de manière progressive, mais surtout, c'est important, en assurant une certaine neutralité et une certaine représentativité de collectivité. On connaît très bien que l'on parle d'une période électorale comme ça, il faut faire très attention pour pas avoir l'impression qu'on a fait préférence dans un sens ou dans un autre. C'est pour ça que nous prenons pile précaution, nous faisons proposition sous 2 ou 3 options que CPTA a utilisé pour identifier femme à garçon qui a servi pour nous de maire et de membre de leadership communion de manière transparente et de manière participative. Et en plus de ça, on connaît que nous-mêmes, nous focus là sur mener jeunes garçons à jeunes femmes l'administration, chercher jeunes professionnels pour qu'ils servent pendant la période de transition et n'attendent jusqu'à présent que CPTA a nos dernières réponses parce que rappelons que Mario n'a même pas un conseil des ministres et il faut absolument donc que CPTA joue le rôle. Et nous espérons que jeudi, puisque ils ont fini avec question CEPA qui est prioritaire ou de toute façon presque fini, n'a qu'à procéder rapidement là pour le mairie. Mais pas seulement Mairie Ogari, il y a fait directeur général autour. Nous écrit CPTA il y a à peu près 3 semaines pour nous rappeler que son bail est excessivement urgent. Et nous connaissons qu'il a réfléchi sur ça. Il y a plein de nous venir avec des propositions concrètes pour nous pour nous avancer. Évidemment, entre temps, nous écrit autour pour nous faire des propositions sur une manière de remplacer le directeur général qui t'a beaucoup plus participatif et beaucoup plus transparent. Nous t'ai proposé que, par exemple, nous faisons carrément des appels à la compétition pour des postes clés de directeur général, côté que nous gagnons des sentiments que soit gain corruption, mais soit gain mauvaise performance, qui t'a permis de jeunes femmes à jeunes garçons, un processus beaucoup plus compétitif pour participer dans l'État. Mais n'attendons, et nous espérons vraiment que d'ici la semaine prochaine, nous tournons, c'est pour la grande priorité que nous gagnons pour nous avancer sur le dossier ça. D'ailleurs, Jean-François. Voilà. Et nous attendons l'actuel Premier ministre Gary Bahitil, qui est en déplacement, ici aux États-Unis d'Amérique, dans New York City même. Eh bien, monsieur, Duro l'a planifié, l'a participé dans des rencontres, l'a demandé support, l'a dit, l'a dit. Nous attendons au paquet de bagailles. Et nous comprenons tout. Mais c'est cafouillage qui gagne. C'est des blousages qui pètent là, à côté que. Et par contre, qui est-ce qui vraiment représente Haïti? Qui est-ce que l'autorité a? Il y a soit un homme qui débarque dans les Nations Unies, et il dit qu'il prend la parole et en tant que chef de l'État haïtien, président de la République, comme si pendant que Haïti a l'autre délégation qui est en route là, qui prend le monter New York, comme si nous l'aide, franchement, messieurs, là, nous l'aide. C'est Jovenel Moïse, nous songeons, on met des petites musiques ça. Jovenel Moïse. Tipay. Jomo no pap chambli yo. Tipay. Jomo no pap chambli yo. Tipay Carnaval 2022. Jomo no pap chambli yo.
nous avons jambli au jour mort. Pas j'ai oublié ou c'était Tipay carnaval 2022 carnaval qui fait pile parler de lui et qu'après tout comme au classique ça le Tipay maintenant on a le temps de on fait coup de pied dans la rue ensemble avec parce que hier me dans la rue et puis me décidé inviter nous tous dans la rue là et me tout décidé filmer quelques petits bagages en baie une dans plus belle zone qui m'estime qui gagne dans Miami, Brickell dans downtown Miami, eh bien, nous t'es dans l'espace là. Eh bien, mon cher, nous t'écoutons cette vidéo. Partagez pour nous, commentez, like, et puis abonnez. Pendant que nous prenons le temps de l'intervention que nous faisons ensemble avec vous dans la vidéo. Dites-moi clairement. On a le temps de. Des fonds de commentaires. Sous sorti docteur Claude Joseph et un pile problème qui gagne dans groupe Mounsayo qui soit déjà dirigé pays d'Haïti dans moment. En dade et puis n'a tourné tout à l'heure. En al dade. Le m'attendé ancien premier ministre docteur Claude Joseph. Qu'est-ce que j'ai? Et cap déshabillé actuel bluffé premier ministre. D'Ari Païtil, je dis clairement, Guy Philippe vient dans un bon moment. Je n'ai pas oublié ça. 30 novembre 2023. Date ça, son date historique pour moi. Guy Philippe, puis le sol Papa de Saline, après 7 ans, après 6 ans, 7 mois, en prison, États-Unis d'Amérique. Guy Philippe Rivé mettait pied la terre dans la Coupe d'Haïti. Il a déporté. Et par la suite, DCPJ prend. Il fait passer environ 3 jours au niveau de la DCPJ. Il était libéré le mieux quand c'était le 3 décembre 2023. J'aime toujours dire, il prend la parole le 5 décembre 2023 sous place gelée. Bab Jambli va pour ça. Et puis par la suite, il a annoncé que la parler avec grand public grand Aslan, 27 décembre 2023. Mais avant 27 décembre, là, ils étaient font tourner. Alors on campagne porte à porte pour te saluer tout paysan dans un pestel pour la Kaeli qui était collecté 20 gouttes, 50 gouttes, 10 gouttes, 15 piastres, 100 gouttes, 200 piastres, 500 piastres, 1000 piastres, 5000 piastres.
pour te acheter dollars américains pour te voyer pour procès pour payer avocat pour procès Guy Philippe. Parce que Guy Philippe t'est envisagé pour te défendre tête li face avec accusation qu'elle t'est estimé qu'il te mettait sous dol et que lui-même il connaît qu'elle est innocent. Alors et on parle avec nous là nous tout profiter pour petit vlog parce que dans la rue là moi dans downtown Miami dans Brickell downtown Miami tout décidé mettre caméra comme ça pour que m'a fonti filmer et route là en bas et puis n'a regardé building yo n'a regardé moun k'ap marcher en bas et bien que on va décider pour que me parler politique là qu'on y a non mais comme par rapport avec fonctionnement non et travail non il fait que dans 10 paroles dans 10 mots à répéter il est difficile pour pas répéter 2 3 mots qui ont rapport avec on va gagner Haïti ça veut dire automatiquement pour elle dit tout clairement ça moi là pour qui ça va pas faire la cale pour qui ça va pas gagner ça la cale bien que ça fait là libre temps pour qu'il fait c'est toute planification il y a des gens qui décident de faire comme ça et de jour en jour il y a pour tirer ça pour mettre ça ça veut dire que flow est belle comme ça c'est des gens qui décident pour que ça belle comme ça espace ça belle comme ça c'est des gros investissements c'est des gens qui gagnent cob qui sortent de l'autre pays qui ont un espace ça vraiment sécuriser l'état créer toutes conditions pour monde capable venir investir et ben justement où est zone ça comme ça je connais longtemps. Monsieur qui est un haïtien qui connaît là longtemps. Je m'a regardé, je me dis waouh. Et puis je vois les plus bas, à quelques mètres, c'est l'homme qui est plus bas. Le bateau a passé plus bas. Je pense que tout à l'heure, je suis passé pour la mer. Et parce que je suis jeune à Foucault, je suis passé pour la mer pour me montrer nous ça. Alors nous fanatiques Foucault a tout profité ça lui Foucault dans espace commentaire là parce que il est probable pour que Foucault dans troisième partie vlog là pour moi moi laisser un petit vlog qui n'a fait côté que nous dans la rue nous dans espace un mall qui dans downtown Miami dans Brickell Avenue et ben nous viennent à montrer parce que pourquoi pas nous pas peur et nous pas dans voler comme pays ne cap fait payer mal là et marcher tout côté mais si nous faut passer là peut-être nous rappelle du côté nous effectivement monde qui connaît États-Unis bien connaît Miami bien il y a tout à côté nous monde qui États-Unis connaît passer vacances Miami si moi on vient dans zone ça il y a tout à côté nous c'est là exactement bien là et alors on a fait vidéo là comme vidéo pas poster dans le même moment mais c'est là mais monsieur dame m'a dit nous que le même temps des intervention docteur Claude Joseph. Je dis tête moi mes pratiques politiques politiciens traditionnels haïtiens. Et puis je dis avec modèle politicien ça yo pas de possibilité du tout pour Haïti j'en mieux route là. Pas qu'on tique à la possibilité. Nèg yo entendre aujourd'hui ya. Yo fait complot. Yo kembe zam. En façon population. Qui réclame un leader. Qui proclame le. Peuple a dit c'est lui qui le veut. Nous utiliser la police nationale d'Haïti pour faire répression sur peuple là, fusiller monde, fusiller journaliste, pétiser journaliste, faire toute qualité d'acte malhonnête pour nos cas. Qu'un bébé pouvoir. Effectivement, en pile là nous, t'es dans Jovenel, YouTube Jovenel sous nous sortis Saint-Esof, nous fait quelques mois d'ailleurs, d'après les justices pour Jovenel, quelques mois après, Ariel qui s'est un assassin Jovenel Moïse qui était pris en tête pouvoir, lui et nous venons collaborer avec elle. Nous passons 2 ans et quelques mois à collaborer avec Ariel. Et Guy Philippe rentre, je ne sais pas, 30 novembre 2023.
3 décembre, il parle. 5 décembre, 3 décembre, il est 5 décembre, il parle. 27 décembre, il a annoncé la couleur. Et que la Gonaïve, 1er janvier. Effectivement, 1er janvier, il Gonaïve. Il rentre à Botoul, il rentre au deux quartiers qui étaient des problèmes. Eh bien, Guy Philippe ferme tête ensemble. Et puis Guy Philippe dit révolution, monsieur. Tout le peuple était d'accord. Tout le monde était d'accord sur la révolution que le commandant Guy Philippe a prônée. Et... alors, on a continué à regarder l'image ensemble avec parce que j'estime que l'espace est bel en pile. Et c'est un espace qui est extrêmement cher. Tout. Comme on habite là, faut qu'on bagaille. Faut qu'on travaille en ville pour habiter là. Parce que mon habite dans zone ça. J'aime hôtel dans zone dans Airbnb dans zone dans ça veut dire que on pas qu'à faire petit cop pour habiter là. C'est impossible. Me dit tête moi clairement, moi même mon qui était dans Jovenel, je touye Jovenel sur yo. Quelque temps, on a critiqué Ariel qui vient prendre pouvoir. Après Jovenel, il connaît qui dans tout Jovenel. Il font en Ariel, il fait silence, il a soucié, il a bien joué, il a bien fonctionné. Après quelques temps, il Guy Philippe dans son bataille. Bataille a touché toute couche dans la société. Même couche qui fait société mal, même avec les politiciens. Il prend les armes contre en répression. Tête chargée que l'équipe aïe la tape fait sous le plan, avec les amis mariés, ça te fait petit à pas en bas. Et barbecue vivent ensemble, mettez Ariel dehors. Ariel campe loin, mais toute équipe Ariel là, campe dans le même espace là. Et mettre système là, fait tout effort qu'il est capable, les fait appel avec force multinationale, fait appel avec. Et comme le département d'État et toute autorité internationale pour que yo aide yo joindre force multinationale que Ariel Henry qui fait demande ça c'était en octobre 2022 Ariel va guider joindre ni après Ariel le pouvoir ça c'est dans la rue hein? C'est dans dedans des audio donc quand c'était comme que États-Unis débloqué pour que force la rentrée. C'est dans le pays qui a annoncé que l'IPARI. Je regarde mon tourné fait à Washington DC, côté que le président pays Kenya, qui c'est William Ruto qui était sorti en Haïti dernièrement là, il a annoncé, il a reçu le souhait de cap, c'est tapis rouge, qui est où les poulets. Tunnel, enveloppe plusieurs milliards de dollars américains. Dans la partie logistique là, on a plus de 250 blindés, en pile l'argent, hélicoptère de combat, en pile matériel. En pile, les gros investisseurs américains annoncent qu'ils vont investir dans le pays Kenya. C'est des offres tête chargées. Et puis automatiquement, William Ruto a accepté pour qu'il prenne tête force multinationale. Là, je me sens un intérêt. Intérêt ça, est-ce que c'est pour nous-mêmes en tant que Haïtiens qui sont en souffrance, qui sont en insécurité généralisée, que tout déploiement ça fait? Moi, pas quoi. Ça veut dire que pour moi, le groupe Mounsa qui a le pouvoir aux États-Unis d'Amérique, qui fait ça, vous voulez, vous avez un gros intérêt dans le pays d'Haïti, c'est vous qui dites ça. Est-ce que le président américain est là-dedans? Je ne sais pas. Qui est-ce qui est là-dedans? Je ne sais pas. Sauf que nous sommes capables de dire gouvernement américain. Période. Mais qui est-ce nous là? Pas un américain qui est ministre d'Haïti? Pas un américain qui est ministre d'Haïti? Je ne parle pas d'américain blanche là. Je ne parle pas d'américain d'origine haïtienne, non? Je parle de un de Biden, un monde de notre choc. Pas un. Qui est-ce qui vient chef? C'est même monsieur nous connaît. C'est eux qui vient chef. Eh bien, ça nous est. Yo entend yo entend yo pendant peuple a battu dans la rue après les vives Guy Philippe. C'est gardez moi toute nèg qui était mon côté peuple là, al cacher dans un téléphone dans du mon Caricom qui annonçait que la vienne du rôle et tel bagaille dans mi-temps acteur politique. Et qui fait réunion sous Zoom. Le peuple a dit pas reconnaître quel que soit leader politique là, qu'il chita avec Caricom pour prendre pouvoir pour venir mettre monde dans pays d'Haïti. Tout nèg yo pas attendre. Mais ils ont décidé, c'est dans Caricom comme dans le théorie. Et bien effectivement, peuple haïtien, c'est là, tout le monde qui te dit que vous comptez sur la force multinationale, que tu as signé définitivement
OK, force multinationale là rentrer dans pays d'Haïti parce que yo imposé ça obligatoirement avant que chita avant que ou rentrer sous zoom là ou bien automatiquement rentrer sous zoom là faut tout signer oui et que ou accepter pour que force multinationale rentre dans pays tout nèg qui te dit pas pour force multinationale yo va aller ça les vieux yo va aller parole ça et c'est la même petite point pas gagner dirigeant politique dans pays là pas gagner monde qui a conviction tout son équipe voyou tous ces mêmes monde sale tous ces mêmes cocorates tous ces mêmes pourritures tous ces mêmes fatras à la boule de senti ces mêmes monde yo OK les Maurice Jean Charles ravette pourri senti comprendre gang politique vicieux politique sans conviction politique bluffeur politique il est très politique bête politique. Eh bien, c'est lui-même, malheureusement, pile monde dans l'eau, qui est quoi dans lui. Eh bien, il a laissé manipuler pour que monsieur manipule. Il fait mon cap, craser au cap, bouler au cap. Il fait mon chien, mon boule machine, mon craser, mon fait tout qualité de bagaille. Maurice Jean Charles, qui va de l'eau de ce caricom, qui est en face caricom, qui est même guettant, glisser col, ramper ta couleuvre, escaler estomac, pour glisser pour finir en bas avec Guy Philippe, il soit disant font aller avec Guy Philippe, ou il monte conseil. On sait ça Guy Philippe, lui-même qui était prêt pour te collaborer avec quel que soit monde là. Pour garder comment Haïti t'a pas jeune souffle, pour payer jeune route lui parce que Guy Philippe te croit que Maurice Jean-Charles Gobaye qu'il a offri. Oh oh, même Guy Philippe, si Guy Philippe pas on est qui malin, Guy Philippe t'a prend coup. Guy Philippe t'a perdu la ville. Eh bien, m'a dit nous que tout monsieur ça yo qui était dans Ariel qui vient traverser qui était dans Jovenel qui perdit du pouvoir dans Jovenel avec assassinat Jovenel il était vivant eux même Jovenel perdit la ville il traversé dans Ariel malgré qu'on connaît non Ariel a cité bien fort assassinat rentré dans Ariel Jean Jovenel là et puis au soucé il roulé et puis par la suite et même monsieur Sayo Ariel vient perdre du pouvoir il vient entendre pour qu'il prend pouvoir ça pas gain gros pouvoir sur Ariel il vient gain gros pouvoir ça te gain pile pouvoir sur Ariel il vient gain moins pouvoir mais c'est même eux même là que tout là finalement ils entendent même j'ai entendu pour te faire complot pour assassiner Jovenel même nèg qui n'en parlait et n'a tout Jovenel mais même moun yo montre que et ça que dans Ariel montre te vienne contre Ariel pour qu'il ait l'autre pouvoir effectivement ils entendent ils ont décidé mettre 9 présidents en tête Haïti OK 7 là ont des audio qui cassier je oublie qui doit des votes. Et puis deux qui ont observé. Mais on qui ça pour observer, il a observé voler, qui a volé, pendant qu'il a volé eux-mêmes. Et puis, ils ont décidé, ils ont lancé une élection pour qu'ils reçoivent une candidature et les gens qui sont capables de venir pour les ministres. Ils ont reçu après 200 combien de noms. Donc, M. Luc Mandelil, il a porté non lancé volontairement parce qu'il pensait que si nous avons besoin de mettre la sécurité dans le pays naturellement, il n'y a pas pensé avec lui. Donc, il a pris M. Luc Mandelil. C'est beaucoup de gens qui ont saisi comme ça. Et bien, même avec ça, qui t'a lancé ça. C'est regardé ouais tout candidat qui est en Haïti yo. Près de 250 en Haïti. Gary Conny qui a peut-être bail 251. Et ben yo pas choisi youn nan sa Haïti yo. Et ben 7 nèg lan à l'unanimité, yo dit que c'est Gary Conny qui convainc yo fait choix de Gary Conny. Mais qui côté bluff la commencé, peuple a juste quitté le marché toujours. N'a regardé population qui a observé toujours. Alors pendant qu'on a parlé, nous allons continuer. Quitte ton commentaire par rapport avec l'espace là, parce que faut que tu dises tout clairement, la belle, son espace qui n'a en Haïti où les abords de mer. Par exemple, Jacques Mel soit pas aller remodeler bien, va pas aller bout de mer. Zone plage, zone Medi, Miami Beach pas tellement loin là. On traverse la mer seulement aller, ok. Puis bas là, non même downtown non, on va jeter la mer là. Et vous traversez sous Biscayne. Wap jwenn lan mer, ou vle ale ki Biscayne pi ou a. Son lot zile wap jwenn lan mer. E se de zon ki mwen ki vreman bel, mwen vire la dan. Pi mdi waw, mwen bel kote sa yo. E map imagine la kay mwen, koman la kay te kay. Jacques Mel, bel plaj nan Jacques Mel. E an pil plaj nan sud-est lan, Benè, mwen al nan vil Benè. Kote de Fè, mbo kanal Kote de Fè non. E an pas mwen tre Belans, de ki mbo konen Bouk Belans. Mwen konen Grand Gosier, Bouk Grand Gosier. Côté où Niger est sorti, la Kaino, ok, et belle la mer. Et tout près, me dit à quelques minutes sous la mer pour vivre en Sapit. En Sapit coulé avec Médénal, zone côte la mer toujours, mais qui pas exploité du tout. Zone qui pourrait jamais gagner depuis l'existence pays. Sauf que qui alors que l'homme dit pas gagner route là, route en terre battue gagner, juste les secondes faire quelques fois dans route ça, mais et pourquoi jamais gagner l'état qui décide faut que zone ça gagne route parce que tout simplement. Un groupe famille qui est tête de l'évob,
yo signé, yo même yo signé depuis ces routes qui est dans pays d'Haïti, c'est eux même qui mettent pressolé. Comme ça kilomètre t'a porter l'état pays d'Haïti, puis chaque kilomètre aux États-Unis. Donc kilomètre aux Haïti, des monnaies qui fait les millionnaires, les millions automatiques. 1 500 000 dollars américains jusqu'à 3 millions de dollars américains pour kilomètre. Ça veut dire que on est en Haïti, sous bal fond 11 km sous Jérémy, moi connais nèg ça les même, il a fait 15 millions de dollars américains. Ça veut dire qu'il est un multimillionnaire. Quand qu'étant organiser la gap en complet maintenant d'elle, il monte dans notre pays et puis il a créé business, il travaille. Et puis il gère l'argent, il n'est pas bien pauvre dans la ville encore. Il fait 15 millions de dollars américains automatiques. S'il n'est pas fumé, il n'est pas boîte à faire, il n'est pas jouer à ça, il n'est pas d'argent qu'à pauvre depuis l'entrée dans le business. Avec comme ça, il est multimillionnaire, un groupe n'est seulement fait. Alors je me dis ça, c'est pour montrer nous que tout effort que nous faisons pour installer cette là, illégalement, sans légitimité, je prends pouvoir peuple à Dassault. Et Philippe Campé, il fait résistance, il manque assassiné. Il a assassiné 4 agents BSAP, 5 agents BSAP sur les champs. La boule 10, en face de l'Eran 11. Ils ont arrêté 4. Ils ont tué 2 dans le commissaire Pétionville avec coup de couteau. C'est le magistrat Pétionville là. Qui c'est frère Normil Rameau, qui c'est Kessner Normil. Frère Normil Rameau, assassin, criminel de grand chemin, qui fait comme ça. Nous tendons et puis nous comprenons. Alors, son machine de la police qui en bas, qui a été vraiment désolé. Naturellement, nous avons la rue. Comme dans la rue tout, je vais virer la caméra devant pour nous faire un petit garde tout parce que bien que mon petit j'ai transpiré tout, je vais me faire couper partie ça pour me voir la caméra devant. Et bien, je vais faire un petit tout, je vais parler parce que je n'ai pas dit vlog là. Pour me barrer. Voilà, et justement, nous avons fait tourner ça dans Downtown Miami pour que nous te faire un petit parler politique en même temps. Même dit que, alors pendant ma vie, je me dis, je vais me faire un petit. Si on a un petit commentaire sur l'intervention et ancien premier ministre Claude Joseph fait, et dans la conférence de presse qu'il bail là, il me dit, pendant que je suis là, je vais tout profiter de faire ça. Je vais envisager pour que je vais partager ça ensemble avec nous. Mais naturellement, je vais tourner pour plus parce que nous avons plus de vidéos que nous voulons partager ensemble avec vous. Restez connectés avec la plateforme et puis continuez à partager l'émission. Qu'est-ce que là?